Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder au deuxième tirage du jour avec l'oracle des animaux. C'est parti. Donc pour ceux qui me découvrent, sachez que je fais au moins un tirage par jour à peu près à cette heure-là. Voilà, puis je fais tourner mes jeux. Voilà. Tac. Donc voici le livre intérieur. Voilà. Donc sachez que ce jeu-là, si je tire la carte comme ça ou comme ça, ça n'a pas la même définition dans le livre. Donc voilà le jeu comme il est. Les petits animaux. On va essayer de suivre leurs conseils. Donc c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut vous poser une question. Choisir l'une des trois cartes et j'espère que ça répondra à votre question. C'est parti. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. La carte numéro 1. Bah tiens, la grenouille, la tête à l'endroit. La grenouille. Animal amphibien respirant à la fois dans l'air et sous l'eau, la grenouille symbolise nos capacités d'adaptation à un milieu, notre faculté à transformer tout ce que la vie propose en termes de bienfaits et de croissance. Mieux vaut éviter de fuir ce qui nous déplaît et que nous n'avons pas choisi, car selon la grenouille, il y a toujours un moyen de purifier les choses, de filtrer, afin de garder seulement ce dont nous pouvons tirer profit. La sagesse de la grenouille, quoi. Alors, le pain. Le pain, la tête à l'endroit. Le pain. Sans avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur, le pain nous montre que nous pouvons faire éclater notre beauté. Il nous appelle à nous montrer sous notre meilleur jour, à être dans la séduction et à ne pas douter de notre capacité à ravir les gens en sortant le grand jeu. Cela peut concerner le rapport amoureux, mais pas seulement. En ravissant nos sens, la beauté du pan apporte aussi la joie. Or, chacun peut contribuer à embellir le monde, car nous ne pouvons tous... Je vais y arriver. Car nous pouvons tous nous montrer magnifiques à notre façon. C'est sûr. Je ne sais pas s'il y aura tout le monde, mais on peut essayer. Le vautour, alors déjà, l'animal, voilà, et en plus, il est la tête à l'envers. Le vautour. Il nous met en garde. Il y a toujours des individus pour guetter nos faiblesses, attendre que l'on se trompe ou que l'on défaille pour nous attaquer une fois à terre. Ce n'est donc pas le moment de relâcher vos efforts ou les forces d'opposition l'emporteront. Le vautour offre un second avertissement. Modérez vos propres convoitises et opportunismes, sinon vous pourriez être mis à banc exclu. Voilà. Voilà, c'était le tirage de l'oracle des animaux et leur petit conseil du jour. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Salut, salut!